condensation. Et ils sont toujours fidèles au public. Ce carnaval, c'est véritablement un moment de partage. Le public est fidèle, les costumes sont fidèles, et les bénévoles, et nos partenaires, le Crédit Mutuel, la compagnie des bateaux qui est ici, l'office de tous nos partenaires pour le succès de cet événement. Elles sont une quarantaine de costumes. Amélie, vous pouvez les applaudir.
le costume de spectacle. Et c'est une célèbre qui revient à la maison. C'est parti à l'envers de sa formation visée et à bénéficier de deux étapes de notre scène. C'est magnifique. Eh bien, on est très heureux de l'accueillir de Lisa, qui nous revient ici avec un plaisir. Eh bien, merci. Voilà, de profiter de cette seconde vie. Mieux.
Beatriz. Vamos dando para aqui a volta. Estou aqui, o pé ainda não está. É sucesso. C'est un petit truc qui vous pose derrière le podium et vous posez avec le beau lac derrière. Peut-être tremble pas. Non, non, le micro est bon. Alors, nous avons le plaisir d'accueillir le fameux lycée Germain Sommelier qui vient chaque année nous rendre visite. Il faut savoir que c'est que chaque année, ils viennent à présenter des costumes vénitiens, que ça fait partie de leur programme et que leurs costumes partent ensuite dans les théâtres et ils conçoivent leurs costumes. Je vous disais tout à l'heure, il y a 250 heures, voire plus, voire 400 quand on démarre. Alors, leur professeur Marie-Line Blanès n'est pas avec nous. Ça prend mieux quoi. Mais nous avons une pensée pour elle, parce que c'est elle qui mène le projet avec lui qui décède. Tout d'abord, Marie. Voilà, la reine. Là, en avant. Vous pouvez l'applaudir, elles ont toutes entre, je crois, 18, 20, 22 ans, pas plus. Ensuite, c'est ça. Ouais. Emma, la princesse. Très beau costume. Voilà, ce sont leurs créations de A à Z. Un excellent professeur. Et ensuite, Cécile, la princesse maléfique. Bravo à ces jeunes qui voilà, ont assuré la relève dans ce carnaval vénitien, qui vont rejoindre l'ancien masque. Masques qui ont déjà. Ça va, je suis payé pour faire ça. 22 ans de présentation. Et voilà, des jeunes. Dommage, un petit peu, tout va bien se passer.
Alors, je vous disais tout à l'heure que nous avons des familles qui viennent. Vous constatez par le premier costume, les parents et leurs filles. Donc nous avons Ariane et Christian, accompagnés de Anne et Elisabeth. Les costumes ont été réalisés par la marquise du Valonetta. Tel costume, bourgeois vénitiens. Et c'est leur 21e présentation. Grazie mille, Elisabeth. Voilà, ce sont bravo. Quelle chance de pouvoir poser avec tes parents. Très beau costume réalisé par la marquise. Ariane et Christian sont de merci. Et Anne-Elisabeth est actuellement à l'honneur en Bretagne. Donc voilà, les parents et leurs filles sont venus pour la 21e fois. Donc depuis les tout débuts de notre carnaval. Je vous présente Christine, marquise de Boule. Elle vient de Silo et elle se présente à nous depuis 2007. Bravo. Costume toujours très raffiné, très élégant. On reconnaît chez les masques leur style. Voilà, leur touche. Chacun met une touche d'originalité. Chaque costume est unique. On fait son costume, on se fait prêter, mais en général, on ne les loue pas. Donc, Christine, marquise des Bulles, elle nous vient de Séno et à l'année prochaine, avec plaisir. Merci. À bientôt, Christine. Alors, c'est le plaisir de vous présenter à nouveau. Les derniers, vous êtes plus chaud, vous êtes chaud. Le costume printemps vénitien. Et c'est sa deuxième présentation. Elle vient de Saint-Étienne. Merci d'être avec nous. Jeanne, printemps vénitien. Deuxième présentation. Non, ça fait pas bouger. Elle vient de Saint-Étienne. Vous l'avez sûrement vu dans les reportages où elle présente au costume sa passion. L'école vénitien, c'est parfaitement respecté. Reportage ouvert toi dans ton école d'ailleurs. Voilà, une vraie star vénitienne. Jeanne, printemps vénitien, 10e présentation de Saint-Étienne. Et j'espère que nous nous reverrons l'année prochaine sous le soleil. Je vous présente Rainbow Unicorn. C'est sa 8e présentation et elle est à 11 ans. Voilà, c'est une petite jeune de 11 ans qui nous vient d'Annecy-le-Vieux. Vous êtes d'où? Unicorn. Costume très original. Ça m'a très frais. Pour les Arcades. Bravo. 8e présentation, Rainbow Unicorn. Merci. Je vous présente jeune Océane qui a 18 ans. Il y a d'Annecy-le-Vieux, éclosion est le thème du costume. 7e participation. Donc ça veut dire que depuis 11 ans, depuis l'âge de 11 ans, elle se présente sur le podium de notre carnaval vénitien. Bravo! Donc cette présentation déjà. Océane, thème costume, éclosion. Oh! Une fratrie, le frère et la sœur. Bravo à Mathis qui a 9 ans, qui nous vient de la Clusaz. Et c'est son 5e carnaval, le prince des Alpes. Et le costume a été réalisé par sa sœur, qui est à ses côtés, qui a 16 ans, Clarisse, étincelle vénitienne. 6e année de carnaval, et c'est son costume. Donc voilà, Clarisse, très douée, et qui a fait vraiment deux jolis beaux costumes. Je vous rappelle, prenez votre temps, le prince des Alpes. Mathis, est-ce que tu peux te retrouver? Je vais pas manger ma fondue. C'est très très beau, de la Clusaz, 5e année de carnaval. Ils sont chez vous. Le prince des Alpes, réalisé donc par sa sœur Clarisse. Voilà, ça mérite vraiment d'être souligné. Bravo. Il a encore le goût du vin blanc. Aussi. Marie-France et Yves. Ah, il est bizarre lui. Ils nous viennent dans le monde. Un plaisir de vous retrouver.
8e participation pour Barbie Conceive, un duo qui nous arrive de Tonon, Ombre et Lumière. Merci et bravo. Duo. Je vous honore de vous présenter un de vos surnoms, Denise, Martine et Christiane, qui nous viennent d'Albertville. Thème du costume, symphonie printanière. Dommage, hein, le soleil n'est pas au rendez-vous, parce que vos costumes sont magnifiques. Et avec le soleil, on va passer encore. 11e présentation. Denise Martin, 11e présentation d'Albertville Saint-Denis-Pratanière. Et suit également Louise d'Albertville, thème costume. Sultane. Voilà, donc vous aviez trois costumes printaniers. Sultane qui est avec elle. Patricia Sublet nous retient, Pink Lady. 5e présentation, Anne. Voilà. Il y a combien de temps ? Rendez-vous régulier. Merci à Pink Lady d'être avec nous. Et elle vient, Anne. Alors, je pense que vous allez la reconnaître bien vite. Est-ce que vous avez vu les affiches du carnaval de cette année? Ah ben oui, la voilà. Voilà l'affiche du carnaval 2018. Bravo et merci. Donc c'est Marie. 6e présentation. On ne dit pas là. Elle nous vient du Puy-de-Dôme. Et le thème du costume, c'est Mystique Violet. Bravo pour avoir fait voilà l'affiche 2018. Et hier, elle nous a fait l'honneur de revenir avec un deuxième costume. Cette année, ça va être un peu difficile parce qu'il fait froid. Très très froid. Donc, je disais, le costume est tellement mal, j'aime tellement faire des costumes. Alors voilà que je suis en train d'être rentrée. Merci pour ce beau costume et à l'année prochaine. À bientôt. Merci à Marc. Attends.
les costumes sont pris dans les pieds. T'as reconnu ça? Nicole Massartier, c'est la quatrième présentation et déjà depuis de nos de Claire Ferrand. Les folies du de Margot. Alors, vous n'avez pas la chance d'être aussi près. Mais si vous aviez la chance d'être aussi près, vous admireriez. 700 km, c'est normal. Je vous invite à approcher les masques, à aller les admirer. Et certains ont des yeux vraiment magnifiques. Je vous rappelle donc Nicole Massartier, 4e présentation. Elle nous vient de Puy de Dôme, Clermont-Ferrand, Thème du costume, les folies de Margot. À l'année prochaine, j'espère vous retrouver. Qui? Alors, nous avons Mélanie qui nous vient de Thème du costume, fleur, vert, c'est déjà 15e. Bravo. Nous avons beaucoup de vous habitués, comme vous pouvez le constater. Merci à Mélanie d'être venue de Renilly, quelques kilomètres d'ici. Fleur de perle, 15e présentation. Alors, nous avons un très très beau jour, c'est la 6e présentation à Annecy. Annie et Anne-Marie, qui nous vient d'Ardèche, de tout nom, Thème du costume au cœur du chocolat. Vous pouvez applaudir. Au cœur du chocolat. C'est vrai que vous les mangerez, hein. Annie et Anne-Marie, 6e présentation. C'est elles-mêmes qui confectionnent leurs costumes, je ne le rappellerai jamais assez. Ce sont toutes des œuvres originales, on peut le dire. Chaque costume est créé de A à Z. Et puis, voilà, il y a un travail qui est magnifique. Très très beau duo d'Ardèche, au cœur du chocolat. Alors, nous arrivons. Je vous présente maintenant Ciel de nuit qui arrive d'Ardèche, comme le duo précédent. Il s'agit de Bernadette. 7e présentation. Ciel de nuit. Très beau costume dans les bleus et or. Merci, merci de vous retourner un peu sur votre droite pour les photos. Un petit peu plus. On se tourne. Voilà, merci de bien poser. Bernadette. Voilà. Merci beaucoup. Les courageuses, les dernières courageuses. Ah, il y en a encore qui arrivent. Voilà. Alors, je vais vous présenter Raïssa, qui fait partie des faiseurs d'étoiles. Elle vient d'Annecy. Thème du costume, le blanc et le noir. Et c'est la deuxième fois qu'elle se présente, qu'elle monte sur le podium. Raïssa, les faiseurs. Bravo, le blanc et noir. Et également le costume. Plume de pente. Chantal de Pierre. Il fait tout juste moins 3 degrés. Ciel d'étoile l'année passée. Je ne sais pas si vous vous rappelez. À la nocturne, vous aviez un costume pour ciel d'étoile qui est ah, 100 personnes. Très très bon travail. Humain. Chantal de Pierre et Simur dans la Côte d'Or, Bourgogne. C'est son 6e présentation ici. Très très bon travail. Très artistique. Voilà. Vraiment une petite merveille. Plume de pente. 6e présentation. Chantal. Alors, c'est la première présentation. Maintenant, dans les premières fois. On ne dit pas l'âge, elle est sans presse. Alors, elle nous vient de l'Île-sur-Sorgue, 84. Thème du costume, déesse de la paix. C'est le premier carnaval d'Annecy. Bienvenue à Annecy, alors. Avec un petit mot qu'elle souhaitait vous délivrer. Cette légèreté de l'être, de couleur et de vie. Si petit je suis et si grand est mon courage. Merci à tous.
Bien, merci à elle. Merci à Irène, c'est la première présentation. Elle vient de Nîmes-sur-Sorgue, dans le 84, une déesse de la paix. Eh bien, bravo, j'espère que ça ne restera pas qu'une première fois, qu'on se reverra l'année prochaine. Merci beaucoup. Alors, il nous reste un joli duo. Ce joli duo était l'affiche de l'année passée, un duo rouge, je ne sais pas si vous vous rappelez. Et un organe qui nous regarde du Venezuela. Et elles nous reviennent avec un nouveau costume qu'elles ont terminé. C'est la finisse patrouillée, je pense. Vous voyez, c'est ça, la culture. C'est un plaisir de les accueillir. À nouveau, passée, pour l'instant, des images. Hein. L'affiche. Et à nouveau, nous les retrouvons. J'ai le plaisir de vous présenter les masques d'Aria. Très heureuse de clôturer, à moins qu'il y ait un dernier costume, arrive à venir rapidement. Chantal et Denise. Chantal et Denise. À vous. Chantal. Alors, le thème du costume, duo de fleurs et de pavillons. C'était l'affiche de l'année passée en rouge. Nouveau costume chaque année, on se fait plaisir. Hein. Là aussi, il y a de très beaux yeux. Hein. Vous allez les approcher, vous verrez. Alors, est-ce que je dois lire ce qui est écrit sur ma feuille? C'est sur Nancy, rien. Elles m'ont mis un mot gentil. Nancy et Millet. Où est du monde là-haut? À toutes. Donc merci au public, merci à elle, un immense merci également à Chantal, parce qu'il faut savoir que Denise, eh bien, elle s'est fait grandement aider par Chantal pour le costume. Donc merci à Chantal, créatrice et couturière. Donc l'idée était de Chantal. Bravo à ce très beau bon coup printanier. C'est les stars. Vous pouvez vous donner une comme ça. Vraiment, c'est très 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 beau. Très beau costume. C'est pas un radar, on n'est pas peur. C'est pas un radar automatique. De belles personnes, c'est mal. Grâce à vous. Ah, c'est bien. On n'est pas resté longtemps à cause du froid. Merci de nous en faire profiter. Alors, c'est un grand plaisir de vous accueillir. J'aime votre lac et en plus la ville. Il fait très froid, hein. Je vous le dis. Un peu froid pour faire un direct, mais bon, on tient encore le coup. On va rester jusqu'à la fin. Une voix de fée qui tombait à Chambéry. Deuxième présentation. Bravo, la Savoie. Très, très beau costume. On va faire peut-être une photo coupée, si je voulais bien vous mettre tous les cinq. Il faut couper tous les cinq pour une photo. Voilà, c'est un joli groupe. Temps pour faire prendre. Voilà, bravo. Il a fait le mettre là. Comme vous voulez. Je crois qu'il y a des costumes qui arrivent. On va les attendre. Alors, en attendant, donc je vous redonne les dates. Nous arrêtons. Ah non, il y a des costumes qui arrivent. Alors, elles ont travaillé toute une année pour leurs costumes. Donc on va les attendre. Hein. Ça va être sympa. Moi qui ai porté pendant 14 ans un costume, quand on a mis une année pour travailler, on a envie de le porter et de le montrer. Donc en attendant, je vous donne les dates de la prochaine édition 2019, 15, 16 et 17 mars. Il y aura à nouveau une nocturne. Moins 3 degrés. On tient le coup. Hein. Rien que pour vous, vous êtes nombreux à nous regarder. Mais donc le nocturne se fera à mon goût dans le forum, bien au chaud. Avec un bon café chaud, ou une gnôle, vas-y, avec modération. À l'intérieur. Parce que c'est vrai que la météo, le vendredi soir, en plus de soir, c'est un petit peu compliqué. Donc voilà, il y a un somptueux masque qui arrive pour ceux qui veulent patienter. Je vous souhaite une belle promenade encore parmi les masques. Je vous souhaite de revenir et j'espère que vous avez passé un excellent moment avec nous. Merci infiniment. Le dernier costume arrive. Merci à vous, public. Et j'espère chaleureusement vous retrouver l'année prochaine. Merci.
Alors, c'est presque fini, apparemment. On va assister au dernier costume pour ce direct. Et là, c'est le dernier. Qui arrive là-bas, voilà. Voilà, sur nos dépliants, vous avez les pochettes là. Je ne peux plus là. Voilà, le dernier costume arrive. Et le dernier costume. Ah, nous avons un tour et un costume qui vient. S'il vous plaît. Si on peut lui demander de venir. Cette édition 2018 Coupe de Saint-Sauvage. Voilà. Avec une gnôle. Voilà, un très très joli tour. Le thème, c'est la Guadeloupe. Caruquera, la Guadeloupe. Voilà l'inspiration guadeloupéenne. Très beau tour qui est venu hier. Voilà, c'est un plaisir de vous accueillir à nouveau. Bravo, très très frais. Il manque juste le soleil de la Guadeloupe. Vous auriez quand même voulu l'amener. Alors voilà, si nous avons encore des beaux costumes qui nous arrivent, un très très beau duo en bleu et puis un très beau costume et ça sera les derniers. Après, on rentrera au show. La bonne cul, la nana. Allez, les tout derniers costumes qu'on va voir dans quelques instants qui arrivent. Pour l'instant, on regarde ce très beau lac. Regardez. Moins 3 degrés, mais bon. Ça fait 40 minutes quand même qu'on fait un direct sous le froid. On tient le coup, je vous rassure. Alors, on va essayer de faire montrer les tout derniers. Les tout derniers costumes de cette édition 2018. Alors, nous avons avec nous le journaliste italien. Comme je disais que nos amis italiens sont partout. Voilà, ils viennent de Turin, qui ont filmé. Je ne pas faire une belle vidéo pour vous revoir sur nous donneront de belles photos. Bon, alors, qu'est-ce que vous faites là? Merci d'être avec nous. Alors, j'arrive là-bas, puis après je pars. Oui, mais tu l'as déjà vu là maintenant, non? Oui, non, mais je vais aller voir un macho et c'est tout, c'est nous. Parce que vous avez 3 heures. Merci à Michel. Ça va durer jusqu'à. Et en soleil, au Québec, il va faire chaud. 3 quarts d'heure. Jusqu'à 4 heures. Après, ils vont. Avec un bon lieu, là. Pour s'échanger, pour mettre tout dans la valise et tout. Ça dure. Allez, tout dernier costume. Il y a bien plus, ça veut dire à 5 heures, les thés qu'elles sont prêtes. Moi je vais plus, allez-y. Merci, j'ai le masque là. 5 lettres, présentation. Elles viennent de Lyon. Merci d'être venu. Bon retour. 5 lettres, présentation. Après, bon retour. Ouais, il m'a dit. Bah, après, on va direct là-bas. Ok. On est bon retour. Après, hein. À bientôt. Tu veux un chocolat chaud? T'es gentil. Après, on va, quand on a fini là, on va en banlieue. Hein. Oui, il viendra nous. Non, mais quand vous êtes fini, oui. Tu téléphones. Ah, ils sont proches. Toi, tu téléphones. Au revoir. Oui. Merci. Pardon. Au revoir. Allez, bon. Attends, je vais sortir. Bonne rentrée. Alors. Non, pas trop de conneries quand même. Quelques-unes, mais pas trop. Je te fais confiance. Non, mais pas. Ah, il y a le beau masque là-bas, dis donc. Voilà les tout derniers masques de cette édition 2018. On était au plus proche pour vous. C'est normal.
dernier costume. Il y a plus, c'est bon. Attends. Voilà. Encore ? Il y en a encore quelques-uns qui arrivent. On va essayer de tenir jusqu'à la fin. Alors, 43 minutes qu'on est en direct quand même. Il fait un peu froid. Hein. Là, les photographes, ils ont froid. Oui, ils me disent oui en plus. Oui. Allez, vous êtes plus de 115 à nous regarder en simultané. Alors, il y a encore quelques-uns qui arrivent. Qui arrivent au loin, voilà. Beaucoup de monde, regardez. Hein. On est du côté du Jardin de l'Europe. Avec du vent. Pour en plus nous aider. Alors, on va essayer le tout dernier normalement. Le tout dernier masque qui arrive. Alors, il fait tout juste moins 3, c'est pas beaucoup. Hein. Ils annoncent moins 25 demain, alors n'ayez pas peur. Vous voyez, le lac est très calme. Regardez, le lac est très calme. Très très calme. Alors restez avec nous, il y en a encore 4-5 même. Ah, le lac, la couleur qu'il a. On est gâtés en plus. On est gâtés, hein. En plus, ils sont gentils. Alors, les tout derniers.
fond de batterie. Non, je n'ai pas de la chance. C'est quoi la différence entre toi et moi? La différence, c'est que t'es plus bonne, déjà. Moi, je le garde au jour. Mais moi aussi, je le garde. Non, oui. Tout ça, on a une photographe avec nous, attention. Elle est gâtée. Hein. Tu vas remettre ta batterie, tu auras 60 ans. C'est ça qui est bon. C'est bien ce truc, hein. Ça bouge pas. Tremble pas avec ça. Il y a longtemps j'aurais tremblé au bout de 50 minutes. Allez, il y en a encore 3. Ah, là, c'est dernier, je crois. Pourquoi? Alors je pense que c'est les trois derniers. Attends, alors regardez ici, ça fait ça. Ne zoome pas, tu n'as pas l'air. C'est qui photographe? Non, mais tu vas. Vas-y, mets-toi le sur. Regarde un peu son chapeau. Regarde son chapeau. Allez, on continue. Côté, regarde pas comme ça. T'inquiète pas, elle prend son temps. On se bat comme ça. Ah oui. Elle a allumé. Ah, c'est la dernière. Ah, elle donne des billets de tombola. C'est le dernier costume qu'on voulait vous faire montrer en direct depuis le carnaval vénitien 2018 sous un froid de moins 3 à moins 4 degrés à peu près, mais on était quand même là avec beaucoup de monde. Regardez sur ces images en direct la place du village depuis les bords du lac d'Annecy avec ce dernier spectacle qu'on voulait vous faire découvrir pendant au moins pratiquement une heure. Voilà, merci à tous. Merci à la photographe qui était avec nous. Elle va pas se faire montrer. Hein. Voilà, merci à tous de nous avoir suivis. À très vite pour un prochain direct, pour un autre événement dans notre région, à travers les pays de Savoie. Et on se donne rendez-vous très prochainement pour d'autres carnavals aussi dans nos pays de Savoie. Voilà, nous étions en direct depuis la Venise des Alpes, comme on dit souvent. Pour Annecy, merci à tous. Allez, on se quitte sur ces très belles images. À très vite. Très bon dimanche après-midi à tous. Et comme on dit, arrive pas.